Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog tisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Black Mesa, donc sur PC. C'est parti pour un tour. On est arrivé à Xen, regardez, c'est joli, hein. C'est joli, mais c'est encore plus joli là-haut. Et on se balade pour l'instant. Je sais pas trop où est-ce que je vais, ce que je fais, mais je le fais bien. C'est ton destin. Jouer à destin pour changer de vie. Stop. Waouh, un temps de chargement sauvage. Osez apprécier cette chose étrange qu'on ne voit plus beaucoup dans le jeu vidéo de nos jours. Le temps de chargement. De nos jours, avec la SSD, c'est beaucoup plus court. Ce jeu n'est pas sur un SSD, sachez-le. J'ai raté Randy. Hey, coucou Randy. Bien. Et toi, comment vas-tu? Quoi de beau? Tu l'as acheté à qui, ton petit cousin, du coup? Pardon. C'est même pas drôle, en plus. Bravo, Eti, bravo, je te félicite pas. Un temps de chargement sauvage apparaît devant nous. Il nous faut l'observer, l'étudier. Nous pouvons remarquer que le temps de chargement n'est que très rarement mouvementé, enfin, je sais pas comment on dit... Ah, c'est quoi le bon mot? J'imagine qu'il faut que j'aille en face, il y a un point bleu. Toute la semaine, non, je suis désolé. Bon courage. C'est passé! Je suis pas mort, donc c'est bien par là qu'il fallait que je passe, ok. Pas de grosse bestiole horrible qui veut me tuer. Non, c'est bon. Jouer à destin pour changer de vie. Oh, c'est très joli. Ça me fait penser aux grottes qu'il y avait dans... comment ça s'appelle? Dire Esther. Qui était magnifique pour l'époque. Quand j'utilise ma puissance de déplacement, je ricoche sur l'eau, c'est rigolo. Ah. Oh! Comment il est remonté? Toujours pas? Hé, grosse carpe! Voilà, schlouf! Au moins, comme ça, je suis tranquille. Ça tombe bien. Je suis plouf. Y'en a un autre qui va mort. Y'en a un autre. Deux autres. Ils ne mourront pas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je vous dis. Ha ha! Faudrait qu'à me tirer dessus, ils sont méchants. Je sais pas où je vais. Joli ça là-bas. Avec un petit mur. Oh! Vous pouvez ici observer une danse de raie. On ne parle pas de plombier aujourd'hui. Xanax, non, c'est Xen. Comment vas-tu, Florian Big Tits?
Pardon. Mauvais réflexe de clic. On m'envoie des trucs. Ou attends. Si on me donne plein de points de vie et plein de machins, là ça sent pas bon ça en général, non? Ah d'accord, il faut que je descende là. Ils font rien qu'à essayer de me manger, ceux-là. Oh, aucun respect pour les joueurs. Ok, il y a des bestioles sous l'eau comme ça aussi. Oh, c'est classe. C'est très classe. Sauf que j'avais plein de vie, maintenant j'en ai plus. Bah, bravo. Conclusion, ça faut le marquer comme truc dangereux. Ça donne pas l'impression de trop en avoir mis là. Oh là là, les saletés, ils en ont mis partout. Ah ah! Je vous ai calmé là, hein? Ah bah tiens, il y a tout ce qu'il nous faut là. Non. Pom 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 pom. Bonne nuit les petits. Allez, c'est l'heure Rio. Ouais. Tu m'étonnes. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci d'être passé si longtemps et d'avoir participé comme d'habitude, prends soin de toi et à la prochaine. Repose-toi bien, fais de beaux rêves, tout ça, tout ça. Ciao, bisous. Je l'ai pas un peu coupé en cours de route. Est-ce qu'il s'est pas un peu coupé en cours de route? Pom 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 pom. Au cas où je le remets. Pom pom. Bonne nuit les petits. Voilà, petite sauvegarde. On descend. Observez encore un temps de chargement. En milieu naturel, ce dernier fige le temps autour de lui. Pour d'un seul coup le relancer. Nous pouvons donc conclure que les temps de chargement de leur milieu naturel sont capables de jouer avec le temps, de le ralentir. De l'accélérer. On prend une plaie de poire. Oh.
Ils m'ont donné une pichenette, ils sont pas gentils. Je leur demandais pas tant, moi. Avec le petit mur qui te pousse. C'est super joli, hein. Oh, l'ambiance. Ah bah tiens. Ça, ça me plaît bien. Oh mais non, mais non, mais non. Attends, attends. On va faire comme ça. Hein ? Encore un temps de chargement, mais naturel. Observez-le en action. J'utilise des ressources. Mais ce n'est pas grave. Car nous vaincrons. Il y en a deux. Il en faut des balles. Hein. Un visiteur, venez derrière. On est chez Kofi. Je crois qu'il en reste un là-haut. J'en vois plus. Avançons. Waouh. On dirait les portes venues du cartel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est des gamins jeunes. Je sais pas s'il y avait déjà des câbles comme ça et des brises dans le dans les précédents. Ah t'as ton cul. Ah t'as ton cul, demandé à l'accueil. Ah mais ça c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En général, c'est pas très bon ça comme action, non? Ça rappelle tellement de souvenirs du coup dans Half-Life Alyx, c'est très très joli par contre hein, ici. Mais ce que je veux dire c'est que ça rappelle la fin d'Alyx. C'est pareil, on a des lasers je crois. Ah non, bah non, c'était pas là les lasers. C'est... Ah bah non, c'était en Black Mesa, E.T., réveille-toi, t'es nul. Je croyais qu'il y en avait dans Alyx à la fin, mais en fait non, c'est pas dans Alyx. Je crois pas. Non, bah non, c'était pas dans Alyx. Quel bug au début commence. Ah non, c'est normal en fait, erreur. C'est parce que malheureusement, le système que j'utilise. C'est ma faute, j'ai mal fait. Enfin, c'est ma faute aussi en fait. Oh, je vais regarder le plafond beaucoup plus vite. Ça ricoche pas. Un miroir aussi s'en va. Je me disais aussi qu'il y avait un truc qui était bizarre. Ah non, c'est parce que t'as dit l'animation bonne nuit, c'est pour ça, mais oui.
s'ouvre pas ici. On voit bien qu'il y a un câble qui part par là. Là, c'est toujours fermé. C'est ouvert ici, mais oui. Forcément. Splouch! Ah, je peux appuyer sur le bouton. Ceci est un bouton, mesdames et messieurs. On fait des tas de choses et c'est numéro 1. Fais pas jour encore, c'est peur d'aller se coucher. Oh. On perd dans l'air ici. Oups. C'est pas par là qu'il fallait que j'aille en fait. C'est-à-dire que moi je regarde dans l'air. Parce qu'il n'y a que au plafond l'air. Ah, j'ai raté l'océan qui était au-dessus, c'est ça? Je crois que j'ai manqué des morceaux là. Hein. Vraiment. Parce que du coup ça passe pas. Carré de chocolat de compensation. J'ai bien cru que j'allais mourir très bêtement. Tout va bien. Tout à fait, Iti, tout va bien. Hein? Arrête de tirer surtout. Bah j'essaye. Ceux-là, ils sont morts. Oui, mais après, je vais où, moi? Je crois qu'il faut que j'aille par là-bas. Ouh, attends, y'a quoi en dessous? Mais non, mais c'est là d'où je viens, espèce de quiche. Y'a pas un machin en dessous, là? Attends, je crois que c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Wow, wow. Comme ça. Bienvenue. Non, pas comme toi. Ça. Oui, toi qui viens de t'abonner. Yeah, baby. Merci beaucoup, Cyril. C'est ça, hein? C'est ça. Cyrilège, peut-être qu'il faut le prononcer comme ça. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints.
Ça passe. En fait, ici, il faut que je continue. Voilà. C'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même chose. Ici, on ne confond plus. J'entends, comme tu dirais, des bruits vachement violents. Ouh. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. C'est passé. Ah. Attends, j'ai une idée. Ah mais non, ça marche pas, je peux pas descendre. Mais ils sont partout. Ça s'ouvre pas là, ici. Ah mais je peux passer sans exploser le truc, c'est bon. Il y en a partout. Viens Gérard, j'ai besoin de toi. Bon, tout il a explosé. Ne pas utiliser les grenades ici. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. J'avais tout bien compris et tout, pourquoi ça a explosé? Oh, d'accord que les autres avaient explosé déjà. J'ai un gros caillou. J'ai un gros caillou. Ta-da-da-da. Le gros caillou est parmi nous. Non, viens là. Lâche. Non, mais j'ai besoin de toi. Lâche. C'est pas grave, ça va aller. Toc. Il me faut le deuxième machin. Mais... Ta-da-da-da. Alors, c'est qui le patron? Hein? Quand ça se passe bien, y'a plus de soucis? Hein? Ça fait moins sa maline là? Oh là là, je vous jure. Les jeux vidéo de nos jours, hein? Plus aucun respect. Vous avez levé la tête là. Du coup, je rate tout. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. On est ok. Tout se passe à merveille. Oh. Si c'était passagère, il s'est passé quoi? Chut, rien. Chut.
Et je suis à 100 de vie et 100 du reste. Tout là-bas, là, ça a l'air méchant. En fait, je pense que ceci est un phare qui illumine les gens de manière à ce qu'ils puissent se retrouver dans cet univers perdu. Et c'est ainsi que je sais pas quoi en fait, mais quand même. Pouf. Pouf. Il y a encore 2 secondes, j'ai plein de vie. Vous voulez pas mourir convenablement, bande de saleté? Attendez. Je vais récupérer de la vie. Là, 20 pieds. Bien de paix soignant. Et irradiation cristaux ici. Voilà. Et je suis de nouveau à 100. Il va encore falloir refaire la même chose avec toutes les bestioles au sol là. Sauf que les sauts vont être plus compliqués. C'est vrai que je trouve ça long en fait de devoir faire 50 fois la même chose. Je venais de récupérer de la vie. Et en plus je te rate. Pour la peine je te débranche. J'adore l'environnement. Je suis pas très spatial comme décor, mais je trouve ça très joli. Ce jeu est un phare de son époque. Un phare à paupières. Non mais c'était bien, j'ai bien aimé. C'était une ode à Half-Life. Voilà. Je ne peux point dire non. Je ne peux que valider ses propos. Mais quelle sera donc l'énigme cette fois-ci? Ici c'est fermé, Isé. Donc il y a déjà les 3 machins, donc il me suffirait d'appuyer sur un bouton par ici. Mais les boutons ne fonctionnent pas en ce monde. Alors, où est-ce qu'il faut que je récupère? Ah mais là, il y a un truc ici. Ça va, c'était pas non plus très compliqué. Toi. Donc ça apparemment ça ne fonctionne pas. Ah bah si. Mais ça a pas tiré. Vous avez vu comment ça vous bouillonne? Viens là. De quoi regarde les flèches? Bah la flèche du milieu c'est bon.
Là, je peux plus rien brancher. Regarde les flèches. D'accord que ça va au centre. Ah non, t'as raison. Je croyais que c'était comme les précédentes. T'as un câble mort, toi, ou pas? T'es pas un câble mort, pourtant. Ça vous brille un Johnny. Chut. Échange les câbles. Bah, ça fait la même chose. Fermé. Il ne manque aucun cristal. Donc s'il ne manque aucun cristal et que là je peux pas les remettre, c'est-à-dire que c'est forcément là-bas. Les dons ont l'air plutôt en bon état. Attends, attends. Ça, on l'a déjà essayé. Peut-être que celui-ci est plus long. Et que du coup, ça évitera de trop tendre le machin. Ok, c'est parce que l'un était plus long que l'autre. Mais il bouge pareil en fait, c'est dommage, bon. Tintintin. Je crois que là, il faut que je saute là-dedans. Banzai! C'est pas ça que je fallait que je fasse, en fait. Non, ça doit pas être ça, parce que si ça rate deux fois, c'est qu'il y a forcément un truc qui va pas. Mais non, mais tout simplement, faut que je passe en face. T'es bon, toi, mec, hein, t'es bon. Félicitations. J'espère que j'en ai pas besoin. Je vous ai ramené un machin qui brille, ça vous intéresse ou pas? Ah, j'en avais besoin ici. Il y a un troisième bouton sur lequel il va falloir appuyer après. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Le troisième bouton, il sert à quoi?
Au revoir. Ça, Gérard, la téléportation extraordinaire. Oh, c'est exceptionnel. Encore un temps de chargement en son milieu naturel. Ah, je crois que le monsieur m'a dit que je pouvais pas gagner. Ça sent le lieu d'exception par ici. Il y a beaucoup d'orgues. On va pouvoir jouer du Mozart ou je ne sais quoi. Ta-na-na. C'est Beethoven ça. Ta-na-na. Non, j'ai plus. Je connais pas les noms des artistes. Qu'est-ce que c'est que c'est ici? On a encore un de la fin? On me donne plein de points, ceci est relativement étrange. Bonne. Vers la Louse et au-delà. Sont planqués des boutons partout, ces saletés. Vous avez vu ça? Juste pour les qu'on les allume en plus. On va me brûler ça. Pourquoi il me donne des lance-roquettes, des... Bonjour, ceci est un piège. Oh, un boss! Gérard. Je crois que le jeu essaie de me dire quelque chose. On sait pas. Il est où?
nous. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Je savais pas qu'il y avait un tel boss à la fin du jeu. Ah, ils veulent en éteindre des petites bestioles en fait. Ça fait mal, monsieur. Je devrais pas être violent avec vous, mais ça fait mal. Et en plus, vous allez me faire utiliser les grenades des trucs pour rien. C'est pour vous tester, monsieur. Je vole. C'est les Wizen, comment vas-tu? C'est pas encore la fin, j'en suis si loin que ça. Mais attends, mais il me défonce. Wouah! C'est quoi cette arnaque? J'ai dit que j'étais pas là, moi. Hein. Allez-moi, ma vie. Allez-moi, ma vie. Voilà, prends bien le temps de faire le tour, s'il te plaît. Pourquoi il fuit? Tu as passé 6 heures? Sérieux? Bah d'accord que c'est du grand nawak du coup si on y passe 6 heures là-dedans. J'ai du mal à me voir passer 6 heures là-dessus. Hein. Ah, tu viens de me casser tout mon délire, je me disais c'est bon, on approche de la fin, petit à petit, ça va. On m'avait dit ouais, une fois que t'arrives à Xen, ça va aller super vite. Si en fait j'ai encore 3 heures de jeu derrière moi, je vais être extrêmement déçu. Il n'y aurait pas un cristal qui redonne de la vie ici, non? Pardon? Je voulais pas tirer en même temps, c'était pas ma faute, désolé. Bon bah écoute, on va le suivre hein. On va aller voir Monsieur Boule.
m'a bien eu là. Déjà, je commençais à trouver ça long. Désolé, je suis en train de craquer pour une. C'est qu'il y a une croix par là-bas. Je suis en train de craquer pour une petite cuillère là de pâte tartinée chocolatée qui n'attend que moi, qui me désire au plus haut point, qui me dit mange-moi, mange-moi. Alors pas la cuillère, hein, la pâte à chocolat. On m'attaque, qu'est-ce qu'ils me font là? Oh, laissez-moi tranquille. Voilà. Ah, c'est bien. Bon bah écoutez, on va appuyer sur le bouton, hein. Je suis ici, tout va bien. Sérieux? Oh attendez, j'ai envie de tenter un truc. Pourquoi j'ai pas tenté ça tout à l'heure? Pourquoi je me suis pas dit oh mais cette idée est géniale, Itin? Hein? Alors quelle l'était cette idée géniale? Oh c'est bon, on fait pas. Ça ne lui a rien fait. Je répète, Mayday, Mayday, ça ne lui a rien fait. Ouh, j'ai envie de faire ça, attendez. Ça fait rien. Calme-toi, Gérard. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, nous, ici. Ah, mais ces coups de pied de biche ultra chiant qui veulent pas fonctionner comme tu veux. Tu m'as l'air tout pété par ici. J'ai l'idée. C'est, j'ai compris. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire, Iti. J'ai entendu le pshhh. C'est bon, c'est bon. Dude, il va me refaire des bâtons de. De je sais pas quoi. Mais lui, il a déjà brûlé. Heureusement, les mecs se sont dit, punaise, on va leur mettre des centaines, parce que sinon, ils vont jamais arriver au bout. Ils sont trop bêtes, ces joueurs. Prévoyons le coup. J'ai pas de vie. S'ils me mettent un boss, je suis mort.
Je vois des choses bouger au fond. Oh non, pas encore. Oh, mais c'est bon, j'ai pas besoin de bâton. Celui qui tire dessus, ça le fait. Est-ce qu'après je peux attendre que ça s'éteigne? La grosse bestiole est derrière. J'ai pas envie. Il faut rien qui m'embêter là tous. Ah, je me suis pas fait brûler, comment ça se fait? Oh oui! Toi là-bas, je te veux! Non, à part de lance-roquettes, y'a rien dedans. J'ai pas de vie. La mort vous y reste très bien, si bien, très cher. Venez. Là. Mince. J'ai pas les ressources par là qui traînent. Genre de la vie ou des choses plus intéressantes que de la vie encore. Oh! Là, il me reste qu'une seule roquette, on va pas continuer là-dedans. Oh mais non, mais zut, bah ouais. Moi qui n'avais déjà pas assez de vie. Laissez-moi fuir. Laissez-moi fuir. Ah, foutu bestiole. Ça passe. On reste calme, Gérard, on reste calme. C'est bon, tout va bien. Je suis encore en vie. Peut-être pas pour longtemps. Salut Scarab. Ça va bien? Un éventuel Half-Life 3, c'est cool, bon 15 ans après, mais vaut mieux que tard que jamais. Comment ça? Il tease un éventuel Half-Life 3. Ils teasent un éventuel Half-Life 2 épisode 3, c'est différent. Ah, ça fait bien d'avoir un petit peu de ressources là. Il n'y avait pas des flaques de je sais pas quoi là? En termes de difficulté, je m'attendais à avoir pire. Enfin, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à être très très nul. Et au final, je le suis, mais pas tant que ça. Attends, j'ai une idée. Vas-y, viens là. Merci. Par là-bas alors. Bah non, rien en fait. Par contre, j'ai peur d'avoir quelques munitions. Où? Ah, vous avez déjà fait péter ici, ok. C'est bon,
Bon, ça passe. Ça passe. Je suis sauvé. Sauvegarde. On se calme, gélatine. Ça, c'est chiant. Mais Winzen, Winzen, qu'est-ce que tu fais? N'écris pas ça, faut pas, c'est pas bien, il y a des tas de gens qui veulent pas spoiler. Ne lisez pas ça, c'est dangereux pour votre santé, les gens qui aiment Half-Life. Pardon. Pardon. Faut jamais parler de la fin d'un jeu. Maintenant, mais justement, il y en a plein qui sont pas venus exprès sur les lives pour ne pas voir ce jeu. Et qui sont peut-être là maintenant parce qu'ils connaissent le Black Mesa et qu'ils attendent comme des fous de savoir ce qui se passe dans Black Mesa, enfin dans Black Mesa, dans Half-Life, Alix. C'est pas grave, hein. Ah, pour certains, ça sera grave, mais c'est pas la question. T'inquiète, Wizen, je t'en veux pas. Mais il faut pas, enfin en même temps, tu t'en fous sûrement. Mais je veux dire qu'il faut pas. Non. De quoi? Bah moi non, lol. Mais pas grave. Ouais, mais c'est pour ça, je suis sûr que vous avez rien vu. Il s'est rien passé. Mais ils vont se calmer les blessures. Ah, je suis coincé. Oh mais non, mais pas ces petits crabes là, c'est chiant. Donc là-bas, c'est un master crab, c'est ça? Oh, attendez. Faut que je fasse quoi là? Il y a ça qui est relié à ça. Qui est relié à ça. Faut que j'aille par où? Ah mais non, j'ai pas envie de passer mon temps à situer des petites bestioles là. Hein. Baby crap tout 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 baby crap tout 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 baby crap tout 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 baby crab baby crap tout 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 baby crap tout 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 baby crab. C'est bon, tout a pété, c'est ok. Itty pas malin. Mais t'as des tas de gens qui bloquent des trucs en fait, via YouTube, via tout en fait. Salut Valgot! Tu vois, que ce soit Twitter et tout, t'as des mots interdits. Et y a des gens qui bloquent ces mots interdits pour éviter les problèmes. Ok, donc conclusion, c'est pas ça qu'il faut faire. T'inquiète. Violence. Oui. Surtout. Alors sur YouTube, moi c'est le genre de choses, je m'en fous en fait. Mais pour information, oui, on peut le faire. Normalement. Alors sur YouTube, je sais pas. Twitter, c'est sûr, parce qu'il y a pas mal de gens, par exemple, pour les sorties Game of Thrones ou autres,
qui bloquait les mots Game of Thrones, spoil, machin, ou les noms des personnages. C'est bon. Baby crap tup 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 tup, baby crap tup 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 tup, baby crap tup 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 tup. Non mais je sais qu'il y en a qui veulent faire très très attention. D'accord, si j'appuie sur le bouton, c'est pas bon signe. Ça fera péter ce truc. J'arrive à monter. C'est quand même frustrant, bien fait. Si moi j'y crois. Encore. Il a pas sauté. Ces machins avec tout plein d'épines là. Faut que j'aille où après? Faut que j'aille où exactement à part ça? Ah multi, mais non, mais t'es nul là, c'est quoi ce travail, sauvegarde pas. Heureusement que ça écrase pas les sauvegardes précédentes. Baby Shark tut, il est 7h36. Vous ne voyez rien, hein? Je veux pas remonter cette saleté là. Faut que je trouve par où il faut aller.
Puis à chaque fois, devoir attendre que le temps de chargement se fasse, c'est tellement long. Bon, une fois que je suis arrivé ici, il y a quoi? Il y a des rivages avec des pointes. Ah, il y avait un trou, pardon, mea culpa, j'avais pas vu qu'il y avait ce trou là. Ok. C'est bon. C'est bon alors. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Je suis sauvéisé. Est-ce que ce bruit n'est pas forcément signe de bonne chose? Non, c'est bon. Il sait où je suis, il sait que je suis là, il sait que je suis pas loin et que je peux le tuer. Il le sait, il est au courant. Et il a peur de moi quand je vous le dis qu'il a peur de moi. Hein? Et comme par hasard, là où il tire, ça fait pile un mur. La musique qui se lance, est-ce qu'on s'est arrivé au bout? En plein dedans. Pardon, monsieur. La musique est classe, hein, mais... Oh, mais le maître des crabes, là, il est chiant, hein. Première vue, on est dans son nid. Ah mais il me chie les crabes dessus en plus, c'est saleté. J'y crois pas. Moi je croyais que dans Xen on arrivait avec la grosse bestiole et que c'était fini en fait. Je vais lancer une grenade dans la tête et je pouf, c'était réglé. Jamais on va parler de ces machins, moi. Baby shark, baby shark, ha! Oh, mais cette musique! C'était pas les bons côtés, pardon. Mauvais côté, c'est ça.
suis convaincu que ce que je fais ne sert à rien. Ah mais zut. Ok c'est bon, j'ai repéré par où je t'ai passé depuis cette fois-ci. Allez, on brûle, monsieur, on brûle. C'est l'objectif. Oula, 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 oula. Pas les bestioles. Coucou monsieur Phila, comment vas-tu? Vous avez qui te regarde. Et vos oreilles alors, et vos oreilles? Oh, il y a encore des bestioles, mais elles sont chiantes. Pas de la vie. Merci. Faut que je descende? Vas-y, redescends! Ouf. Je préférerais te tirer dessus au cas où. Et tu nages vers la vie. Ah, je peux me baisser sous l'eau? C'est original, ça. Un petit peu en arrière. Punaise, toutes ces bestioles qu'il y a. Mais non, mais les saletés. Ah, je croyais qu'ils allaient me dire que je pouvais pas monter sur le rebord alors qu'il y avait un rebord. Qu'ils allaient automatiquement me repousser vers la bestiole. J'aurais été dégoûté, en même temps, dégoûté. Oh. Oh non, non. Ça passe pas, ça passe pas. Bonjour.
Haha. Ça depuis le début. Ils savent pas nager, ces bestioles-là. Ils ne savent pas nager. J'aurais dû faire ça depuis le début. Oh, il y a des machins qui m'empêchent de passer. Pareil. Ah non, c'est bon, je retourne exactement au même endroit. Bah, dès la fois, dans le jour, c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Apparemment, la suite est par là. Effectivement, je pensais que je terminerais tôt, mais en fait, on y est encore, hein, 1h18 de rediff. Ça s'est pas si mal passé. Ça s'est pas si mal passé. On continue par là-bas, je crois. Non? Là-bas, il y a des loupiottes. Donc s'il y a des loupiottes, c'est que c'est par là-bas, non? Ouais, il y a des loupiottes. Ou le début. On est vers la fin du jeu, Kingdom Maxilal. Normalement, sauf que... Qui c'est qui m'a dit tout à l'heure que le jeu était super long sur la fin? Wizen? Beaucoup plus long que le jeu original. On m'avait dit, une fois que t'arrives ici, normalement, en 2 heures, c'est fini, tu vois. Sauf que, bon déjà, il faut compter sur le fait que je sois pas vraiment très doué. Donc même en speedant, j'ai bien peur que ce ne soit... Ah mais en fait, ça glisse. Non? Voilà, ça c'est glissant. Ouais, c'est pas grave. Sauvegardons, on y va. Quoi? Il me poursuit. Il me poursuit. Dégage. Mais reste pas coincé dans le décor, espèce de grosse quiche. Tu sais bien que c'est dangereux le décor. Le décor n'est pas ton ami. On veut encore. Mais reste pas coincé dans le décor, on t'a dit. Mais punaise, qu'est-ce que c'est chiant cette course là. Ah. J'ai eu. Apparemment non. Il m'a envoyé où lui? Dans les ronces. Ok, toi bien. Oh là là, mais pousse-toi.
T'as des sacs à munitions, tiens. C'est pas gentil. La verticalité, comment ça la verticalité? Salut Skadjo! Comment ça va? Comment te portes-tu, camarade? Juste regarder, juste regarder. Bestiole? La bestiole a fui devant ma puissance. Je suis son maître. Viens, Germaine. Nous allons te retrouver et t'achever au fond de ton trou. Encore une fois, vous pouvez observer un temps de chargement. Ah non, vous pouvez plus. Dans son milieu naturel. Bon, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur... Je me disais bien qu'il restait une vidéo qui n'était pas... Voilà, on va pas faire la même bêtise. C'est bon. C'est bon, donc n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe.jeu.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. On va essayer de le boucler quand même celui-ci. Sans arrêt, bah oui. Mais t'aimes pas la profondeur toi non plus, Kenor Maxilol? C'est bien quand c'est profond. Ça s'est très bien passé le week-end, je te remercie. Très fatigué, mais ça va. Allez, à tout de suite, je reviens. Ba-dum-bum, ba-dum-bum.